Bonjour mes petites Lucioles, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, enfin on voit bien, il fait chaud, il fait lourd. Mais c'est pas grave, on est là pour vous. Je vais vous montrer quelques petits achats que j'ai fait mercredi avec une abonnée amie maintenant et son chéri qui m'a fait rire, mais rire. Enfin soit, je vous fais un coucou si vous passez par là. Du coup enfin, je vais vous montrer quelques trucs que j'ai achetés. Je vais vous montrer un truc, mais je l'ai déjà mis. Du coup, je vais vous montrer, mais il est déjà plein de poils. Mais je vais garder la boîte. Du coup, je me suis acheté... Enfin, mon chéri. C'est mon chéri, je vais dire. Mon chéri qui m'a offert le t-shirt B-Max Pop. Je sais plus c'est quoi le nom du magasin. Martoys, du coup. Enfin, soit... Le t-shirt se trouve comme ça. Dans la boîte, on avait un petit... au début, on pensait que c'était une petite pop. Mais en fait, c'est un truc en carton comme ceci. Voilà. Mais c'est pas grave, on peut le mettre... je le mettrai quelque part, je ne sais pas encore. Du coup, sur ce, je vais quand même vous montrer le t-shirt. Bon, je suis désolée, mais il est déjà plein de poils. Mon chat, mon chien... Mon chien, mon chat... Tout le monde est passé dessus. Les chiens, les chats, les... Voilà, le lapin, les cochons, non je rigole, j'ai pas tout ça quand même. Voilà le t-shirt, il est trop beau. Il est trop beau. Je suis fan. Du coup maintenant comme je vous l'ai montré, il va aller à la machine. Après, je vais vous montrer ceci. Je vais essayer de retirer les trucs pour voir mieux quand même. Mais ça c'est pas moi qui l'a pris, c'est mon chéri. Hop, hop, hop. Oh, je perds, c'est pas grave. C'est un essuie de plage. C'est machin, quoi, c'est pas. Retiré. Voilà. Et vous savez comment il s'appelle, notre petit chat. Vous, si savez, vous mettez oui et le nom. Avant que je vous montre. Du coup, il a craqué pour l'essuie de plage. Je vais montrer parce que je suis. Hop! Toy Story 4, voilà comme ceci. Et alors on voit tous les personnages comme ça. Je sais pas si vous allez voir tout le monde. Je vais le replier un tout petit peu. Là on voit le lapin. On voit avec le ticket Jessie, la bergère. Voilà. Il y a Fourchette là dans le fond. Il y a Patate, Monsieur Patate, la lienne, le cochon. Puis le poil. Il est trop beau. Du coup, lui aussi, il va aller passer à la machine pour le rafraîchir avant que... Du coup, on continue sur la lancée des t-shirts. J'ai pris... Je n'ai pas pris beaucoup, c'est vrai. J'étais raisonnable. Un t-shirt Winnie l'ourson qui est noir comme ça. Il a le ballon. On voit le ballon et puis comme ceci. Hop, le Willy l'ourson. Je le trouve trop beau. Voilà, le Willy l'ourson. Il est trop beau. Et si, si ça vous dit, il est à 8 euros à Primark. Voilà. Bon, je vais mettre par là. Le deuxième que j'avais vu sur les groupes Primark, il est aussi au prix de 8 euros, c'est pour ça que je l'ai pris. Et comme toujours, vous allez deviner, c'est Monsieur Stitch, comme ceci. Il est écrit avec plein de trucs dessus. Family, je crois qu'il est marqué. Un truc famille. Là, je vous montre de plus près. Voilà. Il est trop beau. Voilà. Voilà. Et le... Voilà, ils ont toujours le tag. Et c'est Lilo et Stitch. Et c'est au prix de 8 euros aussi. Celui-ci, je crois qu'il est un peu plus cher. Oui, 10 euros. C'est un Pixar. Parce que pour le moment, Primark, c'est tout ce qui est Pixar. Ouais. Ouais. Oh, Pixar. Je sais pas. Quoi. Pixar. Ouais, enfin, soit. C'est un t-shirt blanc. Hop. Il est trop beau. On voit, je vais vous montrer juste ceux qui savent lire. On va retirer ça un petit peu. Hop. Si ça va être lire. En français, ça veut dire la colère de la honte. Et c'est
Duke. Regardez, Duke, il est trop beau. Oh, j'adore Duke. Il est beau, Duke. Voilà pour Monsieur Duke. Après, je sais pas où il est. J'ai acheté, enfin pris, oui acheté, un rouge à lèvres que je porte juste là, qui est un peu mauve. Comme ça, il met mauve. Vous voyez pas vraiment bien la couleur à la caméra, mais c'est mauve. C'est PS. Je l'ai acheté pour 1,50€ et franchement, il a une bonne tenue. Je ne sais plus parler. Je prends là. Celui-là, j'ai eu à 1,50€ et celui-ci, c'est un peu beige. Un peu plus pour mettre tout le temps. Plus clair. Et celui-ci, il est à 2€. Je sais pas si vous allez voir. Il est juste là, il est marqué 2€. Du coup, celui-là, je ne l'ai pas encore testé. Je le mettrai bien sur ma peau, sur ma main. Mais avec leur plastique à la noix de coco, ils sont pas faciles à ouvrir. Dites-moi, depuis qu'on est déconfiné, est-ce que vous avez craqué, allé voir à Primark ou d'autres magasins? Moi, oui, Primark. Puis, comme j'étais à rive gauche, ben, on a fait d'autres magasins. Il se donne comme ceci. Un peu beige brun. Ah, il sent bon en plus. Ils ont une petite senteur qui sent bon. Je ne sais pas si vous allez vraiment boire. Vous voulez les couleurs chères. Ça donne bien pour mettre un peu pour tous les jours. Voilà. Le mot, j'ai voulu l'essayer. Du coup, je l'ai mis directement. Et comme j'ai un peu les cheveux mauves, rouge mauve, ben ça donnera bien. Voilà. Après, ça faisait un long moment que j'avais, que je la voyais, que ça me donnait envie. Et mais je l'ai trouvée à Primark. C'est la Zip, la Muck Zip. Du coup, je vais vous la montrer. Enfin, tout le monde la connaît. Je n'ai même pas besoin de la sortir, mais voilà. Mais moi, je vous la montre quand même. Voilà, elle est trop belle. Hop. On a regardé pour qu'il y ait moins de coupes aussi. Mais ça n'a pas été facile pour le deuxième item. Que je vais vous montrer après. Pour le moment, je le remets dans sa boîte. Hop, hop, hop. Et pour le dernier item de Primark. Vous allez... Vous savez ce que c'est? Non? Eh bien, c'est encore un petit Stitch. Oh, il est trop beau! Et du coup, c'est une petite tirelire Stitch. Et la boîte est trop belle. Après là, il n'y a rien d'écrit. C'est écrit toutes les langues. Je sais même pas s'il y a du français là-dedans. Même pas. Il n'y a même pas de français. Du coup, on va quand même la sortir. Pour celle-là, on a eu dur à trouver une sans trop de défauts dedans, on va dire. Qu'il y avait toujours des coulures, toujours des taches. Du coup, il se présente comme ceci, mon petit Stitch. Voilà. Alors, on met la petite pièce dans la fente de sa petite tête. Voilà. Mais il est trop beau. Je pense pas que je ferai tirelire avec. Il sera plutôt pour garnir. On voit pas la fente du coup dans une vitrine. Il sera trop beau. Et comme d'habitude, vous avez la petite poche pour retirer les petites pièces. Voilà. Et c'est un truc en plastique. Voilà, qui est facile à remettre. Il est marqué en dessous Disney. Plein de... Il est marqué deux fois Disney. Il est trop, mais trop, trop mignon. Et ça, si je me souviens, c'est 9€. 9€ pour la petite tirelire, si ça vous dit. J'ai été mercredi. Cette vidéo, vous l'aurez peut-être mercredi. Du coup, il y aura une semaine de décalage. Voilà pour la petite... je sais pas si elle sera encore en vente ou pas. Mais voilà, comme ça, vous le savez.
Bien sûr, je ne saurais plus remettre ses oreilles dans le... dans le truc. Ouais, ça va aller. Bon, je rangerai ça après, c'est vraiment ennuyé là. C'est pas grave. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me dire quel item vous préférez. Bon, moi, je vais pas vous dire parce que c'est tout. Tout ce que j'ai acheté, du coup, c'est tous mes préférés. Du coup, voilà. Moi, sur ce, je vous dis à bientôt. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo que je retourne juste après. Voilà. Bye bye tout le monde.